Alors la boutique, donc, elle s'appelle Ecosy. Et c'est ce qu'on appelle aussi un concept store, c'est-à-dire que c'est une boutique qui s'articule autour d'un concept, et ici c'est l'éthique. L'éthique, ça va être au sens social, en respectant les hommes qui ont travaillé pour faire les produits. L'éthique aussi environnementale. Je sélectionne les marques en fonction de leurs valeurs. Elles sont plus ou moins engagées. Souvent, celles que j'ai, moi, sont très engagées. Ça va du commerce équitable jusque le label bio pour les cosmétiques, pour l'agriculture. Je pense que maintenant, c'est vraiment rentré dans les habitudes et dans les mœurs des gens de consommer différemment dans l'alimentation. L'agriculture bio, je pense que tout le monde connaît et que ça devient de plus en plus accessible, et c'est très bien comme ça. Mais par contre, dans les autres secteurs de la vie, parfois, on ne sait pas forcément quel produit acheter plutôt qu'un autre et vers qui se tourner. Et donc, je voulais montrer que, que ce soit pour les produits du quotidien ou pour les cadeaux qu'on a envie de faire, on peut avoir des produits qui soient sympas en plus et qu'il y ait une éthique derrière. Alors, dans ma boutique, j'ai rangé par thématique, on va dire. Donc ici, on va avoir tout ce qui est pour la maison. Donc ça va du thé aux bouteilles en inox. Ça peut être les produits d'entretien aussi. Tout ce qui concerne la maison. Et puis, on va passer ensuite à l'épicerie, qui est dans la continuité, où là, ça va être donc des produits locaux principalement, quelques produits de dépannage, tout est bio évidemment. Si on arrive de l'autre côté, qui est là pour les enfants, donc c'est vraiment les jeux, les jouets, toutes les choses qui permettent de faire des cadeaux et de gâter nos enfants avec des produits de qualité toujours, avec des marques innovantes très sympas et ludiques et design. Voilà, on arrive après vers le coin des bébés. Et ensuite, de l'habillement, de la mode, des bijoux pour les femmes et pour les hommes. Et puis au centre, j'ai mis tout ce qui est cosmétique et produits d'hygiène et des produits locaux avec des savons, par exemple, qui sont faits ici à Prades. Et puis il y a d'autres produits, que ça va des cheveux jusqu'au visage, etc. J'ai beaucoup de chance, je pense, parce que j'ai trouvé une clientèle qui est fidèle depuis le départ. Donc ça, c'est un très bon point et qui, en plus, par le bouche à oreille, me permet d'avoir d'autres clients, des nouveaux clients. Plus, on a la chance aussi d'être bien situé sur l'avenue de la Libération, donc il y a du monde qui passe, qui découvre aussi comme ça. Alors les gens, il faut absolument qu'ils viennent, parce qu'ils soient intéressés par l'écologie ou non, c'est pas vraiment le principe. C'est d'être étonné et de découvrir des nouvelles choses qui se font, parce qu'on a la chance d'avoir des marques qui sont vraiment innovantes en France et qui proposent des produits qui soient à la fois esthétiques et à la fois justement ont des fortes valeurs derrière. Et du coup, ce serait dommage de passer à côté.